Alors voilà une petite activité avec des cartes à jouer si tu en as à la maison. Alors moi j'ai trouvé un petit jeu de cartes. Alors pour cela, il faut déjà commencer par les trier. Tu vas enlever tous les valets, les rois, les dames, les jokers. Tout ça, on n'en a pas besoin. On le met de côté. Et on garde que les cartes de 1 jusqu'à 10. Voilà la première étape. Une fois que tu as trié, on va vérifier que le jeu est complet. Alors pour ça, tu vas devoir chercher tous les 1, tous les 2, tous les 3, tous les 4, et cela jusqu'à 10. Je cherche les 1 et je les mets ensemble. Je dois en avoir deux cartes rouges de 1 et il doit y avoir deux cartes noires de 1 encore. Alors je cherche, en voilà encore une, il m'en manque une puisque là j'en ai trois. La voilà. Donc voilà, j'ai mis quatre cartes avec le 1. Le 1 de carreau qui est rouge, le 1 de cœur qui est rouge, le 1 de pique qui est noir et le 1 de trèfle qui est noir. Deux cartes noires, deux cartes rouges, ça fait bien 4 en tout. 1, 2, 3, 4. Bon, on va faire la même chose avec la carte numéro 2. On cherche le 2 cette fois. As-tu trouvé les quatre cartes de 2? On vérifie. Le 2, rouge, carreau. Le 2, cœur, rouge. Le 2 avec le pique et le 2 avec le trèfle. J'ai bien mes quatre cartes de 2. Eh bien, on a les 1, on a les 2. On va maintenant vérifier qu'on a tous les 3. Allez, vas-y, à toi de chercher les cartes avec le 3. J'ai trouvé mes quatre cartes avec le 3. Et on voit bien, il y a 3 points. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les deux cartes rouges, carreau et cœur, les deux cartes noires, trèfle et pique. On continue maintenant avec, on a fait le 1, le 2, le 3. On va chercher, et oui, le 4. À toi de jouer. Tu me cherches les quatre cartes, 4. Ça y est, j'ai trouvé. 1, 2, 3 et 4. Les deux rouges, les deux noirs. Trèfle, pique, carreau, cœur. C'est bon. Après le 1, le 2, le 3, le 4, qu'est-ce qu'on va chercher? La carte 5. On vérifie qu'on a bien quatre cartes avec le 5. À toi. Ça y est. 1, 2, 3, 4. Je vérifie bien. Il y a le 5 sur chacune des cartes. Cœur, carreau, pique, trèfle. J'ai les 1, j'ai les 2, j'ai les 3, j'ai les 4, j'ai les 5. Maintenant, je vais chercher la carte, les cartes avec le numéro 6. C'est parti. Et tu es aussi rapide que moi. Voilà les quatre cartes avec le 6. Trèfle, le 6 pique, le 6 carreau et le 6 cœur. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais chercher maintenant le 7. C'est parti. Ça y est, j'ai trouvé mes quatre cartes. J'ai bien mes deux rouges, mes deux cartes noires. Je le mets à côté du 6. Après le 7, on va chercher le 8. On y va, on cherche nos quatre cartes avec le numéro 8. Et voilà, je les ai trouvées. J'espère que de ton côté aussi, tu as trouvé les quatre cartes. 8 carreaux,
8 cœurs, 8 piques, 8 trèfles. J'ai bien 2. 2 noirs, 2 rouges. Je mets à côté du 7. 8. Et maintenant, je vais chercher 6, 7, 8, 9. Ah, il n'y a plus beaucoup de cartes. Ça va être plus rapide. Allez, hop, on y va. Et voilà. J'ai bien mes 4 cartes avec le 9. Trèfle, pique, cœur, carreau. Et qu'est-ce qu'il me reste? Normalement, il te reste les 4 cartes avec le numéro 10. Trèfle, pique, cœur, carreau. Donc on a trié toutes les cartes de 1 jusqu'à 10. Si tu as réussi ce petit jeu, on peut continuer avec un autre jeu où cette fois on ne va plus trier avec les numéros, on va trier avec les couleurs. La couleur de la carte, c'est la couleur et le petit dessin ici. Donc là, je vais te demander de me chercher toutes les cartes noires avec le trèfle. Et on les met toutes ensemble. Ah, tiens, il y en a une là. J'en ai une là. J'en ai une là. Ici, elle est là. Ah, tu as compris? À toi de jouer. Voilà, j'ai retrouvé toutes les cartes trèfle. Donc, c'est des cartes noires avec le petit trèfle. On les met de côté. Maintenant, on va chercher les cartes rouges avec le carreau. On cherche les cartes rouges avec les carreaux. À toi de jouer. Voilà. J'ai retrouvé mes cartes rouges avec le carreau. Alors, je vais vérifier que j'en ai bien 10. Normalement, tu dois en avoir 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est tout bon. J'ai cherché les trèfles, j'ai cherché les carreaux. Maintenant, je vais chercher les cœurs. Ce sont des cartes rouges. Allez, tu dois trouver les 10 cartes cœurs. Voilà. Alors, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai bien 10. Mais qu'est-ce qu'il me reste là? Ben, il reste les cartes pique, les cartes noires. Et j'en ai bien 5, encore 5, j'en ai bien 10. Alors j'ai mis 4 petits tas. Et là, je viens de trier les cartes par couleur. Tu vas maintenant, pour le troisième jeu, choisir une couleur de carte. Allez, moi je choisis les cœurs. Les autres, je peux les mettre de côté. Et je vais mélanger mes cartes. Allez, je les mélange, je les mélange, je les mélange. Et qu'est-ce que je vais te demander de faire? Eh bien, je vais te demander de remettre les cartes dans l'ordre de 1 jusqu'à 10. Tu peux le faire tout seul sans regarder. Donc, tu me poses. Sinon, tu le fais avec moi. Et la prochaine fois, tu le feras tout seul. Ou tu pourras aussi t'aider de la bande numérique que je t'ai donnée. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre en premier? On cherche le 1. Le 1, il est là. Non, ce n'est pas celui-là. Il est là. Et regarde, il y a bien un seul point. 1. Après le 1, je cherche le 2. 1, 2, 1, c'est bien ça le 2. 1, 2, je cherche le 3. Le voilà. 1, 2, 3. 3. Tu as vu sur les cartes, le numéro il est écrit tout autour. À l'endroit, à l'envers, pour que ça soit, on puisse le voir des deux côtés. 1, 2, 3, et ben oui, on va chercher le 4. On cherche le 4, on essaie d'aller vite.
Ça y est, j'ai trouvé. Je vérifie. 1, 2, 3, 4. Et il y a bien écrit le 4. 1, 2, 3, 4. Je vais chercher le 5. Et le voilà. 1, 2, 3, 4, 5 points. Et il y a bien écrit le 5. Après 5, 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 6. Trois, quatre, cinq, six. Je vais chercher maintenant le numéro 7. Est-ce que tu le vois? Oui, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, il y a bien le numéro 7 tout autour de la carte. 6, 7, 8. Je cherche le numéro 8. Allez, on n'a plus beaucoup de cartes. Le voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Et après le 8, 6, 7, 8, c'est le 9. Il y en a 5, 6, 7, 8, 9. 9. Et la dernière carte, c'est la carte 10. 5 et encore 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien joué! Alors, j'espère que tu pourras rejouer sans la vidéo, tout seul, si tu as un jeu de cartes. Tu fais les trois petits jeux. On trie par numéro, ensuite on trie les cartes par couleur, et ensuite on choisit une couleur et on range les cartes de 1 jusqu'à 10, dans l'ordre. Et puis le quatrième petit jeu, vraiment si tu es très très fort, ensuite, c'est de retourner les cartes. J'ai un petit diable derrière, attention. Voilà. Je vais enlever une carte. Je retourne à nouveau mes cartes. Mais il faut bien les laisser au même endroit quand tu les retournes. D'accord ? On retourne et on laisse la carte à la même place. Et là, tu dois deviner quelle carte il manque. À ton avis ? 1, 2, entre le 2 et le 4, j'ai quelle carte ? 3, bravo ! Et tu peux recommencer. Tu reposes le 3. Tu retournes toutes les cartes et tu en enlèves une au hasard. Je vais enlever celle-ci. C'est la carte qui est entre le 6 et le 8. C'est quelle carte? Attention. Et oui, c'était le 7, bravo. Et voilà, et bien, j'espère que ce jeu t'a plu, ces petits jeux, ces petites activités, à toi de refaire avec un adulte ou même tout seul. À bientôt.